Donc à cela s'ajoutent enfin les animaux qui sont utilisés pour leurs substances biologiques telles que le sang, le sérum ou les hormones. Donc ça fait quand même de nombreux animaux qui ne sont pas comptabilisés. Et une des conséquences, outre le manque de transparence, c'est qu'il y a aussi une absence totale de protection puisqu'ils n'entrent pas dans le champ d'application de la directive. Et donc au nom du principe de cohérence, ils devraient être comptabilisés pour à la fois bénéficier de la même protection, d'autant plus que lorsqu'on regarde la directive un petit peu plus près et qu'on regarde notamment son considérant numéro 12, on s'aperçoit qu'il est bien rappelé que les animaux ont une valeur intrinsèque qu'il convient de respecter. Donc cette valeur intrinsèque ne devrait pas finalement dépendre de l'utilisation qu'on fait des animaux. Et ça paraît assez étonnant quand on se rappelle ce dont Muriel vient de nous dire, c'est que l'objectif du législateur européen, c'est le remplacement total finalement des animaux vivants dans les méthodes, dans les différentes procédures. Donc compte tenu à la fois de cet objectif et du principe de cohérence, il conviendrait que ces animaux soient également comptabilisés et protégés. Alors, moi, je vais aborder la question des chiffres, justement. Alors, normalement, on l'a évoqué tout à l'heure, donc les chiffres qui sont publiés par les États membres sont très nettement minorés, entre autres, puisqu'il y a les catégories que vient de citer Mélodie qui sont exclues des statistiques. Et donc, si, par exemple, on se réfère... donner une idée globale. Si on se réfère donc aux données communiquées pour l'année 2016 par les 4 États membres qui sont les plus gros consommateurs dans l'Union européenne, donc arrive en tête la Grande-Bretagne hein, qui utilise 3 936 723 animaux. Ensuite on a l'Allemagne donc avec 2 796 773 animaux. Et puis la France arrive en troisième position avec 1 918 480 animaux. Et enfin l'Espagne avec 917 986 animaux. Donc en fait, ce que l'on remarque concernant ces données qui sont fournies par les États membres, c'est que d'abord il y a un manque de transparence à la fois en France et au niveau de l'Union européenne. Moi je m'occupe de ces questions statistiques depuis pas mal de temps. Et d'une part, on se rend compte que les chiffres, alors soit ne sont pas transmis par certains États membres, soit sont transmis avec beaucoup de retard. Il y a des rapports, y compris des rapports européens, qui sont inexacts dans leur contenu, ce que j'ai pu vérifier. Là, on n'a pas le temps d'entrer dans les détails, mais si des personnes sont intéressées, je pourrais leur donner des éléments. Il y a le manque de fiabilité également des données. Là aussi, j'ai pu constater, par exemple, dans les statistiques qui étaient publiées sur le site du ministère de la Recherche, un certain nombre d'erreurs. Et puis, le manque de fiabilité vient aussi du fait qu'en fonction des États membres, les données qui sont, les catégories d'animaux qui sont prises en compte ne sont pas toujours les mêmes. Par exemple, on se rend compte que parfois, alors la France, par exemple, intègre toujours ce qu'on appelle les animaux génétiquement altérés. Alors que l'Allemagne ne les intègre pas toujours, alors forcément ça fait des différences importantes entre pays, ce qui fait qu'on c'est difficile de faire des comparaisons. Donc, les animaux génétiquement altérés. Alors on en reparlera après, mais c'est des animaux tout simplement dont les gènes sont modifiés pour ensuite pouvoir développer certaines maladies qui ne développeraient pas à l'état naturel. Donc en fait ce sont des animaux transformés si vous voulez. Alors ensuite, on constate toujours, si on reste sur cette optique de chiffres, c'est qu'on a, alors là on a juste parlé de la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France, l'Espagne, puisque c'est de loin les plus gros consommateurs, mais on a d'autres pays qui consomment moins, et on voit qu'on a quand même des écarts qui vont de 1 à 8 au niveau du nombre d'animaux consommés dans les différents États membres, donc ça fait quand même des écarts importants, ce qui montre que certains pays peuvent travailler avec beaucoup moins d'animaux que d'autres. Et le quatrième point, c'est qu'on ne constate aucune évolution vertueuse significative depuis cette fameuse mise en œuvre de 2013 de la directive. Normalement, ça aurait dû aboutir, déjà on aurait dû commencer à avoir des résultats et une réduction significative du nombre d'animaux utilisés, ce qui n'est malheureusement pas le cas, puisque, comme je le précise dans le document que vous voyez derrière moi, plusieurs pays utilisent même plus d'animaux en 2016 qu'ils n'en utilisaient en 2007, donc avant même la rédaction de la directive. Alors là, je ne sais pas si c'est assez clair sur
le petit graphique que j'ai voulu faire. Alors, d'une part, je vous signale que la ligne verticale, vous voyez, ça correspond à 2013, donc ça correspond normalement à la mise en œuvre de la fameuse directive. Alors, on va reprendre juste pour que vous ayez une idée des évolutions. Donc, en haut, on en a parlé, la Grande-Bretagne, en orange, ensuite en bleu, en dessous, l'Allemagne. Alors, la France, c'est quasiment anecdotique, ça peut prêter à sourire, vous avez un petit point qui se balade tout seul là. Et puis, trois autres points, parce que la France ne fournit pas de données, comme je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a été 3 ans, on n'a pas obtenu de données, et même les données de 2014, on les a obtenues avec 2 ans de retard. Ensuite, nous avons alors des pays qui sont moins consommateurs, comme l'Espagne, l'Italie un petit peu plus bas, la Belgique, on a des données que sur les 2 dernières années, vous voyez 2014, 2015, 2016, enfin ce qu'on appelle les 2 dernières années puisqu'on n'a pas encore 2017, et puis en vert tout en bas les Pays-Bas. On pourrait considérer qu'il y a à peu près que l'Italie, qui est à peu près vertueuse, parce qu'il y a une courbe qui est à peu près descendante de manière continue, comme vous voyez, depuis 2007, mais c'est-à-dire que l'Italie a commencé à réduire le nombre d'animaux avant même que la directive existe, donc la directive n'y est pas pour grand-chose finalement. Et puis, pareil pour les Pays-Bas, qui sont un petit peu à la descente aussi, et qui sont assez peu consommateurs, et pourtant qui pays où il y a beaucoup d'industries, y compris d'industries pharmaceutiques, donc, et qui sont également peu consommateurs. Donc la question en fait qui se pose, c'est de dire que il y a apparemment d'autres facteurs qui sont en œuvre dans la réduction éventuelle ou dans l'augmentation des animaux utilisés que la directive. C'est-à-dire qu'il y a, on n'a pas le temps ici de développer, mais il y a des facteurs sociétaux et culturels qui rentrent aussi beaucoup en ligne de compte. Alors, on continue un petit peu sur les chiffres. C'est pas très ludique, mais c'est important parce que le mérite des chiffres, c'est qu'ils sont indiscutables. Donc là, on a les animaux. Quelle est la provenance des animaux? D'où viennent-ils? Ça, c'est aussi un point très important. Alors, en fait, les animaux qui sont utilisés dans les laboratoires, ils ont plusieurs provenances. Soit ils viennent d'un élevage agréé de l'Union européenne, soit d'un élevage non agréé de l'Union européenne, soit d'un élevage européen non Union européenne, ou dans un élevage que vous voyez figurer dans les statistiques comme reste du monde. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas l'Europe, c'est le reste du monde. Voilà. Et il faut bien avoir en tête que seuls les élevages agréés de l'Union européenne sont soumis aux obligations qui figurent dans la directive européenne dont on parle. Donc tous les animaux qui viennent d'autres élevages, que ce soit hors Europe, bien évidemment, il n'y a aucun. Alors, d'une part, il n'y a pas de contrôle sur leur élevage, on n'a pas de prise sur cette partie-là. Et puis aussi, on a des animaux qui viennent de très loin, d'Asie, de Madagascar, etc. Et ça veut dire que tous ces animaux-là, il y a aussi la question du transport, qui n'est pas du tout. Qui n'est jamais abordée, y compris dans la directive d'ailleurs. En France, on a 84%. Des animaux qui proviennent d'élevages agréés de l'Union européenne. Ce qui veut dire que le reste devient d'élevages sur lesquels on n'a pas de contrôle. L'Allemagne, alors c'est pour ça que la France, une fois de plus, est en queue de peloton, parce qu'on voit que l'Allemagne, en termes d'approvisionnement, fait quand même beaucoup mieux, puisqu'elle est à 94,7% d'animaux qui viennent d'élevages agréés, et que la Grande-Bretagne fait également beaucoup mieux que la France, avec 92%. Donc en France, je crois qu'on a du travail. La situation, alors qui plus est, la situation est très préoccupante pour certaines espèces qui proviennent donc. Alors là, j'ai pas pu, vu le peu de temps que l'on a, j'ai pas pu rentrer dans les détails des espèces, mais il s'avère qu'il y a des espèces qui proviennent presque exclusivement d'élevages non agréés et du reste du monde. Alors c'est le cas notamment des reptiles, dont j'ai pas le temps de parler ici, qui sont à 93% qui viennent d'élevage, on ne sait pas d'où d'ailleurs, et puis les primates non humains, qui seront, que vous trouverez ici, qualifiés de PNH, enfin c'est l'abréviation habituellement utilisée. Et là, on constate que même si la Grande-Bretagne fait un petit peu mieux que l'Allemagne et la France, on reste avec des pourcentages ridicules. Par exemple, la Grande-Bretagne, sur les PNH qu'elle utilise, il y a seulement
un peu plus de 7% de ces primates non humains qui viennent des mages agréés, hein, donc de l'Union européenne. Donc voilà, et la France, c'est 3,6 et 3,2 pour l'Allemagne, parce que c'est absolument des pourcentages ridicules. Voilà, donc je repasse la parole à Mélodie. Que nous dit la directive européenne sur ce que vient de nous dire Muriel? En fait, l'article 20 de la directive impose aux éleveurs, aux fournisseurs et aux utilisateurs d'animaux d'être agréés dans tous les pays de l'Union européenne. La difficulté, c'est que la directive n'empêche nullement les utilisateurs de l'Union européenne de se fournir auprès de centres non agréés, que ceux-ci soient situés dans l'Union européenne ou hors de l'Union européenne. C'est ce qui ressort d'ailleurs des statistiques qu'on vient de vous présenter. Donc au nom, une fois encore, à la fois du principe de cohérence et la valeur intrinsèque des animaux, il conviendrait que les utilisateurs d'animaux dont les établissements sont situés au sein de l'Union européenne ne puissent se fournir qu'auprès d'éleveurs et de fournisseurs agréés, ce qui paraîtrait essentiel pour que les animaux concernés bénéficient toujours d'un niveau de protection identique. Alors, maintenant se pose la question de la finalité des procédures, c'est-à-dire on utilise des animaux, pour quoi faire en fait? Alors en fait, j'ai mis une petite définition pour les trois objectifs qui sont ceux qui utilisent, les trois finalités qui utilisent le plus d'animaux. Donc on a déjà la recherche fondamentale. Donc la recherche fondamentale, c'est celle qui va se pratiquer sans autre but que le progrès des connaissances. Donc cette recherche-là, elle ne vise pas ni à trouver les causes des maladies, ni à produire des médicaments. C'est juste un enrichissement des connaissances humaines. Donc ça peut effectivement, cette recherche peut travailler sur les phénomènes biologiques, mais que ceux-ci soient impliqués ou non dans les maladies. Alors en revanche, la recherche appliquée consiste, elle, à étudier la physiologie et les pathologies humaines, et éventuellement les pathologies animales, dans le but de trouver des thérapies. Et ensuite, on a les tests réglementaires. Alors, les tests réglementaires, ce sont des tests qui doivent, comme leur nom l'indique, sont imposés réglementairement, et ils s'appliquent en fait pour que soient commercialisés tous les produits chimiques, y compris les produits pharmaceutiques. Ils ont été mis en place pour évaluer la non-toxicité et la qualité des différents composants et des produits finaux. Alors, il y a d'autres objectifs, enfin, il y a d'autres finalités pour lesquelles les animaux sont utilisés. On va en parler un tout petit peu après, parce qu'il y a des points importants aussi à souligner. Alors, la tendance depuis 2010, depuis que cette directive a été votée, concernant les finalités, c'est-à-dire comment sont utilisés les animaux, vous allez voir, il y a un graphique qui va suivre, vous allez voir qu'il y a des fluctuations très importantes du nombre d'animaux en fonction de l'objet des procédures. C'est-à-dire qu'on n'a pas une tendance continue, soit à la diminution ou à l'augmentation, mais plutôt des choses très, très erratiques en fait. Vous allez voir aussi que la recherche fondamentale utilise beaucoup plus d'animaux en 2016 qu'elle n'en utilisait en 2010. Ce qui est aussi un problème par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur les effets de la directive sur le nombre d'animaux utilisés. Et puis, en ce qui concerne la recherche appliquée et les tests réglementaires, on est à peu près au même niveau en 2016 qu'en 2010, en ce qui concerne la France pour le moins. Donc, je vous montre là le graphique qui illustre un peu ce que je viens de vous dire. Donc, on a la courbe en bleu que vous voyez suivre une courbe ascendante très rapide, ça correspond donc à la recherche fondamentale, c'est-à-dire celle qui n'a pas comme visée de traiter des questions spécifiquement de la santé humaine ou animale. On a donc la courbe qui est en gris, qui correspond aux tests réglementaires. On voit que le niveau, on arrive en 2016 à peu près au niveau où on était en 2010, donc il n'y a pas vraiment de progrès. Et puis la courbe orange qui concerne donc la recherche appliquée au translationnel, et là aussi on est à peu près au même point qu'en 2010.
Donc, dans ce qui suit, je vais vous parler des courbes qui paraissent plates, là, qui sont tout en bas. En fait, elles ne sont pas plates, mais comme elles concernent beaucoup moins d'animaux, elles apparaissent comme étant plates. Mais donc, la courbe jaune correspond aux animaux utilisés dans l'enseignement. Et la petite courbe bleu ciel correspond à ce qu'on appelle la maintenance des colonies d'animaux génétiquement altérés auxquelles on a fait référence tout à l'heure. Donc, génétiquement modifiés, enfin, ça correspond à la même chose. Alors, pour les finalités dont on n'a pas parlé avant, il y a donc une autre finalité pour laquelle les animaux sont utilisés, c'est dans l'enseignement. Alors, il est intéressant de constater, enfin, c'est effrayant en même temps, mais de constater qu'en fait, les étudiants britanniques, ils ont pu être formés en 2016 avec l'utilisation de 1422 animaux. Et les Allemands, il leur en a fallu 48 391, bon, on ne sait pas pourquoi. Et les Français, il leur en a fallu 34 280. Et en France, c'est un chiffre qui est en constante augmentation. Et c'est intéressant pour les démarches qu'on pourra faire à l'avenir sur l'utilisation des animaux dans les universités, parce qu'on nous évoque, on nous rétorque souvent qu'il y a un certain nombre de formations dans les sciences du vivant qu'on ne peut pas faire sans utiliser d'animaux. Il est évident que la Grande-Bretagne ne peut pas être considérée comme un pays ne formant pas d'excellents scientifiques, hein. Donc on voit bien que la valeur de l'enseignement ne tient absolument pas au nombre d'animaux utilisés. Alors, en ce qui concerne, je reviens sur les obligations réglementaires, les tests réglementaires, il y a aussi une question qui se pose, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, normalement les tests réglementaires s'appliquent à tous les États de la même manière, c'est les mêmes procédures, il y a les mêmes règles à respecter. Et là, on se rend compte que si on regarde nos trois pays référents sur lesquels on a des données, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France, donc, vous voyez derrière moi qu'il y a un nombre d'animaux qui est quand même sensiblement différent pour répondre aux mêmes obligations réglementaires, ce qui pose aussi question sur la manière dont on les utilise dans ces pays respectifs. Et puis, je voulais quand même juste dire un petit mot sur les animaux, les colonies d'animaux génétiquement altérées. On a dit tout à l'heure que la Grande-Bretagne arrivait en tête pour le nombre d'animaux utilisés dans des procédures, mais en fait, cette donnée n'est pas tout à fait exacte dans la mesure où la Grande-Bretagne est dans le nombre que je vous ai donné tout à l'heure, supérieur à 3 millions, il y a 49% de ces animaux qui sont en fait des animaux génétiquement altérés, enfin de la maintenance d'animaux génétiquement altérés, c'est-à-dire ce ne sont pas des animaux qui sont utilisés dans les procédures scientifiques par la Grande-Bretagne, c'est-à-dire que la Grande-Bretagne les produit, sans doute, j'imagine, les revend à d'autres pays de l'Union européenne et ailleurs, où ils sont utilisés dans des procédures scientifiques. Donc finalement, la Grande-Bretagne, en termes d'utilisation d'animaux, n'est peut-être pas au premier rang, mais peut-être plutôt au troisième, finalement, si on prend en compte ce point-là. Il me semble important de le signaler. Mais n'en utilise pas. Elle en utilise certainement aussi, mais si on compte le total, si on enlève le nombre de ce qu'on appelle les AGA, donc les animaux génétiquement altérés, du nombre total, la Grande-Bretagne arrive à peu près donc à 1 800 000 et quelques mille animaux utilisés dans des procédures scientifiques, c'est-à-dire moins que la France qui est 1 900 000. Et le reste des animaux, c'est de la maintenance de colonies. C'est-à-dire c'est de l'élevage, si vous voulez, hein, pour faire simple. Hein. Mais c'est plus compliqué que de l'élevage, parce qu'il y a quand même une procédure sur les gènes. Hein, donc on ne peut pas dire que c'est simplement de l'élevage. Voilà. Mais c'est pour dire qu'il faut faire attention de ce à quoi on parle, parce que finalement la Grande-Bretagne utilise moins d'animaux qu'il ne pourrait paraître. Donc cette question des animaux génétiquement modifiés ou altérés est une question importante. C'est une réserve qui n'est pas forcément utilisée, c'est ça ? Elle est vendue, elle est utilisée, mais pas par eux, si vous voulez. Là, les 49% dont je vous parle, qui figurent quand même dans leurs statistiques, ce ne sont pas des animaux qu'ils utilisent dans des procédures expérimentales, mais ce sont des animaux qu'ils fabriquent, on le dit, et qu'ils revendent à des utilisateurs. Mais du fait de cette altération de gènes, est-ce qu'ils souffrent moins, Ah non, ça n'a rien à voir. Il y a même des gènes qui sont des gènes qui provoquent, alors ça aussi, là on ne peut pas rentrer dans le détail faute de temps, mais il y a ce qu'on appelle
des altérations donc, qui sont des altérations avec des phénotypes négatifs et d'autres qui n'ont pas de phénotype négatif. C'est-à-dire qu'il y a des transformations génétiques qui ne provoquent pas de symptômes particuliers. Simplement, ils apportent des réponses aux chercheurs sur certains facteurs qui sont étudiés. Et puis, il y a des phénotypes qui provoquent de graves... Si par exemple, vous développez un phénotype de la myopathie, par exemple, si vous faites une transformation génétique de chien et que ce chien développe un gène qui l'amène à développer les symptômes de la myopathie, on comprend bien qu'il y a souffrance. Donc, voilà. Alors, là, on aborde la question parce que la directive a formulé des mentions particulières sur certaines catégories d'animaux et entre autres les primates non humains, de par leur proximité génétique avec l'être humain et aussi leurs comportements sociaux. Donc, on s'est posé la question de ces primates, à quelle fin sont-ils utilisés dans les pays référents ont-ils été utilisés en 2016, notre dernière année de référence. Alors, ce qui est assez étonnant, là aussi les chiffres sont intéressants, c'est que contrairement à ce que nous redisent assez régulièrement les chercheurs, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de primates parce qu'ils sont proches de l'homme, donc pour les maladies humaines, tout ça, patati patata, le plus grand pourcentage des primates est utilisé pour des tests d'efficacité, d'iniquité et de sécurité des produits. Ce qu'on a appelé tout à l'heure les tests réglementaires et ce qu'on appelle la production de routine. Enfin, c'est bon. Donc pas du tout là pour l'étude des maladies en l'occurrence. Alors vous voyez, j'ai mis volontairement ces chiffres, à savoir qu'en France, il y a près de 50% des PNH qui ont été utilisés pour des tests réglementaires. En Allemagne, ça passe même à 71%, et en Grande-Bretagne, c'est presque 81% des primates qui sont utilisés pour des tests réglementaires. Donc ça aussi, ça remet vraiment en question la directive, parce que d'un côté, elle dit qu'il faut économiser, entre guillemets, les primates, et d'un autre côté, on les utilise pour des tests réglementaires, ce qui est assez aberrant. Alors, si on s'attache plus particulièrement au cas de la France, comment évolue l'utilisation des PNH en France ? Alors malheureusement, là encore, une fois de plus, on n'est vraiment pas du tout vertueux, parce qu'on constate l'augmentation continue du nombre de ces animaux utilisés. Donc on est passé de 1810 primates en 2010 à 3508 primates en 2016, donc un accroissement de 93,8% en 6 ans des primates. Alors c'est vrai que là aussi, on se demande où est l'effet de la directive. On remarque également l'utilisation croissante des primates non humains dans l'enseignement supérieur et la formation. Alors ça peut paraître un nombre bien sûr plus important par rapport aux 1 900 000 ou 2 millions d'animaux en tout, mais on a quand même 49 primates qui ont été tués dans le cadre d'un enseignement, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun objectif de recherche ni quoi que ce soit. Alors que ce qui est intéressant, c'est de savoir que pour cette même finalité, aucun primate n'a été utilisé en Grande-Bretagne et deux seulement ont été utilisés en Allemagne. Et nous, on en a utilisé 49. Là aussi, bon, on s'interroge aussi sur les autorisations de projet, on en parlera ultérieurement, qui sont délivrées, parce que pour que ces projets se réalisent, il faut qu'ils soient autorisés. Donc on peut s'interroger sur... ceux qui autorisent ces projets-là. Voilà, là je vais prendre la parole à Valérie. Donc, que nous dit la directive sur l'utilisation des PNH en matière de recherche fondamentale, il faut se référer au considérant 17, pour laquelle l'utilisation des PNH est autorisée finalement dans trois cas. Tout d'abord, lorsque les travaux sont en relation avec les affections humaines potentiellement mortelles, ou encore en relation avec les maladies invalidantes, ou aussi lorsqu'il s'agit de recherches relatives à la conservation de l'espèce des PNH. En matière de recherche appliquée, il faut se référer à l'article 8 qui, lui, autorise en fait l'utilisation des PNH sur la toxicité et la qualité des médicaments et autres produits, mais sans condition finalement particulière quant à sa mise en œuvre, ce qui revient en pratique
à pouvoir autoriser, enfin, à pouvoir permettre l'utilisation des PNH dans de nombreux cas, de nombreuses procédures, et finalement, on comprend mieux les statistiques qu'on vient de vous présenter. En revanche, un fait qui est quand même important, c'est que dans la directive, à aucun moment n'est autorisée l'utilisation des PNH dans l'enseignement. Ce n'est pas prévu par la directive. Donc finalement, en France, par rapport à ce que vient vous dire, vous expliquer Muriel par rapport aux statistiques, elle est donc en infraction par rapport à ce que permet la directive, puisque ce n'est pas autorisé. Mmh. C'est pas pareil envisagé et autorisé. Est-ce que c'est exclu de la directive? Mais c'est-à-dire que vous avez un article qui liste les cas, les procédures possibles. Donc très, très explicitement, et il n'y a pas l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur ne fait pas partie de la liste des cas où on peut utiliser des PNH. Donc c'est forcément. C'est pas considéré comme interdit. Ben c'est à partir du moment où c'est pas autorisé, c'est interdit. Parce que tous les cas sont précisément référencés, les cas d'utilisation. Donc c'est pour ça que la France est en infraction sur ce point. Oui, non, il n'y a pas de souci. Donc oui, pour reprendre, en fait, les cas d'autorisation sont limitativement énumérés. Donc à partir du moment où on n'est pas dans l'un de ces cas, on est en infraction. Et là, pour attaquer, en fait, il faudrait que les associations et les parlementaires puissent déposer une plainte, en fait. Il y a des formulaires de plainte pour, dénoncer les cas d'infraction à la réglementation européenne. Et là, typiquement, ça en fait partie. Et on pourrait d'ailleurs baser cette plainte sur les statistiques, puisque ce sont des chiffres officiels publiés par le ministère. Oui, je vous écoute. J'ai une question sur les PNH. Est-ce qu'on fait une distinction, en tout cas, sur les espèces entre les hominidés et les autres? Oui, enfin, il y a une distinction entre ce qu'on appelle donc les grands singes, qui comprennent... Ça n'existe plus, les grands singes. Oui, enfin, bon, c'est quand même... Dans la directive, c'est quand même... Oui, dans 2010, c'est quand même les grands singes, c'est pas les hominidés. Donc, pour ces grands singes, normalement, l'utilisation est interdite, sauf qu'il y a quand même un article 55 qu'on appelle une clause de sauvegarde, où dans des cas qui doivent donner lieu à des démarches particulières d'autorisation, ils peuvent être utilisés. Ceci étant dit, moi, je suis les statistiques depuis quand même plusieurs années. En France, il n'y a aucun singe hominidé qui a été utilisé, même si ce serait possible, mais dans des cas très restreints. Les chimpanzés en font partie, oui, des hominidés. Oui, c'est les orang-outans, les chimpanzés. Les bonobos, oui. Les bonobos, voilà. Pour revenir aux plaintes, les associations de protection animale ne peuvent pas seules déposer une plainte, que ce soit avec des députés. Oui, il peut y avoir, mais il peut y avoir aussi des recours auprès de la médiation européenne en ce qui concerne les ONG aussi. Alors bien sûr, la médiatrice européenne, elle ne peut pas, elle peut donner un avis quand même sur la pertinence du recours. Donc il y a aussi la médiation européenne. Et les parlementaires européens, effectivement, peuvent intervenir sur la base des éléments qui sont des éléments chiffrés et qui peuvent être vérifiés. Mais peut-être parce que non plus, c'est un sujet qui est, vous voyez, éminemment technique et compliqué. Et moi, à la décharge des eurodéputés, je sais qu'ils ont 3 milliards de sujets à traiter et que là, c'est un niveau de détail et que jusqu'à présent, les statistiques, elles n'étaient pas épluchées. Jusqu'à présent, elles ne l'étaient pas. Ce que je vous dis là, moi, je ne l'ai pas lu ailleurs. La souffrance animale, ce n'est pas un détail ? Non, mais je suis bien placée pour le savoir, oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que même sur les dossiers de protection animale, les eurodéputés travaillent sur des tas de dossiers. Il y a eu tous les problèmes d'élevage, d'abattoir, de toutes les questions de la biodiversité, il y a les transports d'animaux, il y a beaucoup de choses. En tout cas, les directives. En fait, je rappelle donc l'association Animal Testing, donc nous, qu'est-ce qu'on fait ? On fait à peu près la même chose que L214 qui fait les vidéos dans les abattoirs, sauf que nous on les fait dans les laboratoires et ensuite on les publie. Donc là en fait, ce que vous allez voir, ça s'est passé à Paris, donc comme ce sera indiqué, voilà, c'est à Paris. Et donc ce sont des expériences qui sont menées dans le cadre de Parkinson sur des singes. Donc c'est aussi pour vous prévenir, il n'y a pas d'effusion de sang.
ce genre de choses. C'est beaucoup plus de la violence psychologique. Et vous allez voir, voilà, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'effusion de sang que c'est pas chaud. En fait, ils sont intoxiqués dans des cages individuelles. Le problème du MPTP, c'est que ils peuvent plus manger, donc c'est des galets. Ils sont vraiment, quand tu les vois, ils sont fous de mourir, ils sont complètement allongés. C'est celui qui voit plus, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ce matin, il y a un très beau qui est venu. Ah, pour soigner la vue. Ouais, pour soigner, mais au moins pour évaluer ce qu'il a. Mais du coup, il travaille plus, non? Il fait plus rien. Est-ce que... Ouais. Oui, je pense que ça finira maintenant. Ah ouais. Déjà 11 ans, et du coup, oui, c'est une seule après, c'est qu'il connaît. Il sait parfaitement faire la tâche qu'il a de faire, sauf qu'il n'a pas envie. Donc, ce genre était clair, 5 et 7. Il attend pendant un quart d'heure. Que moi, tu dis, bon, allez, c'est bon, tu te fous de la gueule du monde, on arrête, et hop, tu reprends 3, 4 essais, et il arrête, il reprend, il arrête. D'accord. Okay. C'est là où moi j'ai beaucoup de mal avec lui, c'est là où il est très récalcitrant. C'est qu'après tu ouvres cette partie de la chaîne. Ouais, pour la tête, ouais. Tu dois sortir la tête volontairement. Donc la première fois, il le fout et tu fermes. Ouais. Et donc ils se retrouvent la tête en prison des doigts, ils sont pas du tout leur mouvement. La première fois ils sont à voir, et après plusieurs semaines tu n'y arrives plus parce qu'ils savent qu'ils y arrivent. Et c'est là en fait, en retour, c'est là où tu casses. J'ai dit, ça lui a pris une semaine, pendant une semaine il n'a pas mangé. C'est dur. Et il n'y a que ça pour. C'est parfois surprenant, il y a aussi des gens qui. Parfois qu'ils peuvent avoir même plus de mal à voir nos vidéos, effectivement, sans pied de sang, que des vidéos, parfois donc des abattoirs, où là par contre le sang, ça n'en manque pas. Les propos, ne sont pas possibles de la bouche d'un être humain. C'est pas possible. C'est aussi des chercheurs. C'est la perversité. On est d'accord. L'humain est pervers. Je suis pas venue pour entendre des chiffres ou mettre des mots sur l'innova, je suis venue pour entendre des solutions. On va en parler. On est obligé, s'il vous plaît, de faire un état des lieux avant de pouvoir parler des solutions. Parce que justement, et la question qu'on a eue juste avant de mettre la vidéo le montre, voilà, il faut apporter des solutions concrètes parce qu'il y a de vrais enjeux derrière. Voilà. Donc on va en apporter, des stratégies. À un moment donné, les chercheurs parlent de MPTP, voilà, c'est un neurotoxique, en fait, c'est une neurotoxine hein, qui provoque la maladie de Parkinson. Puisque là aussi, c'est une maladie qui est induite, c'est pas une maladie qui développe naturellement. Donc, voilà, c'est... on va pas revenir sur le fait que la directive, pourtant, nous dit qu'on doit tenir compte de préoccupations éthiques spécifiques, que la détention de PNH pose des problèmes pratiques quant à la satisfaction de leurs besoins comportementaux, environnementaux et sociaux dans un environnement de laboratoire. Voilà. On
en dessous, je ne vais pas le lire, vous voyez, dans cette même directive qui prétend se soucier des problèmes de prise en compte des besoins comportementaux, des mesures qui sont prévues pour les cages à la fois des macaques adultes, et puis j'ai mis également les mesures pour les babouins, par exemple. Et il faut savoir que ça, comme le disait Johanna, ça peut durer plusieurs années dans ces conditions. Alors, là, je suis désolée, mais on est obligé de passer sur un point aussi qui est important, c'est... Non, c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça, donc c'est vrai qu'on fait l'information aussi. Alors, il faut savoir que les projets qui utilisent les animaux sont classés par ce qu'on appelle des classes de sévérité. Et là, je vais repasser la parole à Mélodie. Merci. Oui. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, en fait, il y a ce qu'on appelle les procédures qui impliquent des classes légères, des classes modérées ou encore des classes sévères ou des classes sans, enfin, ou des procédures sans réanimation, pardon. Ce qu'il faut comprendre à travers ce jargon, c'est que finalement, à la fois l'intensité de la douleur et la durée de cette douleur va croître en fonction du niveau de procédure dans lequel on avance. On passe de légère, modérée ou sévère. L'annexe 8 de la directive donne un certain nombre d'illustrations pour chaque type de classe de ce que peut recouvrir finalement une procédure dite de classe légère ou modérée, ce qui devrait aider, excusez-moi pour ce que je vais dire, mais aider les concepteurs de projets à déterminer les dommages qui sont susceptibles de causer aux animaux lorsqu'ils vont demander une demande d'autorisation, parce qu'en effet, oui, les projets doivent être soumis à autorisation, c'est imposé par la réglementation européenne, et d'ailleurs, une autre obligation, doivent être mentionnées dans ces demandes d'autorisation, le fait que la procédure implique par exemple une classe de sévérité. Donc voilà, on passe à la slide suivante, mais on pourra en dire encore beaucoup de choses, mais malheureusement, le temps... nous manque. Mais du coup, juste ça, c'est arbitraire, ça, c'est le bon vouloir du chercheur, il donne une classe ou il y a des critères ? En fait, les critères, oui, il y a des critères, la classe légère, ça va être une classe qui ne va pas provoquer une douleur supérieure à telle ou telle chose, mais c'est deux pages. Nous, à un moment donné, on pensait vous lire des choses, mais on s'est dit, on n'aura jamais le temps. Mais dans la directive, pour répondre à votre question, il y a à la fois une définition très brève, et ensuite, dans l'annexe de la directive, il y a des exemples. Alors, on préfère pas vous lire les exemples, parce que c'est pas non plus très... très joyeux. Voilà. Mais si des personnes à la fin de l'atelier veulent avoir des précisions, on pourra les leur donner, bien sûr. Voilà. Poursuivre juste un petit peu sur ces classes de sévérité, en fait, ce qui est important aussi, c'est de savoir parmi... Parce que tout à l'heure, on parlait du nombre d'animaux, mais le nombre d'animaux reste à savoir dans quel type de procédure on les utilise. C'est-à-dire, est-ce que justement, par rapport à ce que disait Mélodie, est-ce que ce sont des classes... Est-ce qu'il n'est pas pareil d'utiliser des animaux dans des classes légères que dans des procédures de classe sévère, parce que ce n'est pas le même niveau de douleur et de dommage. Et là, vous pouvez lire sur le tableau que, en fait, toujours en France, on est toujours... à la pointe. Les procédures de classe légère, le pourcentage s'est réduit de 20,4% entre 2014 et 2016, c'est-à-dire qu'il y a moins de procédures qui sont moins douloureuses. Les procédures modérées ont au contraire augmenté de 30,70% entre 2014 et 2016, et les procédures sévères, donc les plus douloureuses et stressantes, ont augmenté de 97,50%. Voilà. Donc, c'est pour dire que quand les chercheurs pareil, nous disent qu'ils prennent en compte la souffrance des animaux, il faut quand même un petit peu en douter, en tout cas en France. Alors, je vous ai fait aussi un petit graphique qui illustre un peu visuellement cette chose. C'est que, alors vous voyez que, en fait, en jaune, c'est les classes sévères, donc les plus douloureuses. Vous voyez les premières quatre petites colonnes. La France, vous voyez le niveau du jaune pour la France, vous voyez ensuite le niveau du jaune pour l'Allemagne et ensuite le niveau du jaune pour la Grande-Bretagne. Alors en vérité, la France utilise des animaux dans plus de trois fois plus d'animaux dans des procédures de classe sévère que ses voisins allemands et britanniques. Ça c'est la première chose. Et à contrario, elle utilise beaucoup moins d'animaux dans les classes légères, sachant que les classes légères c'est les colonnes vertes, enfin vert clair.
Voilà. Alors, c'est aussi une question. Pourquoi les chercheurs français ont besoin de plus de procédures sévères que leurs collègues? Ça, on n'a pas de réponse non plus. Oui, mais il n'y en a malheureusement pas là. Et puis, généralement, ils ne répondent pas à ce genre de questions. Alors là, on va passer à l'autre vidéo, Johanna. Donc, celle-ci, c'est la toute dernière qu'on a sortie. Donc, ce sont des images de 2017. Il faut savoir que c'est, du coup, c'est une animalière, donc une personne dans les laboratoires qui s'occupe des animaux, de leurs conditions de vie et notamment des mises à mort. Et donc, il faut savoir que c'est elle qui est venue vers nous, parce qu'elle n'en pouvait plus ce qu'elle faisait, et avant de partir, elle a tenu à faire quelque chose. Et donc, c'est grâce à elle qu'on a pu avoir ces images. Donc, son témoignage, vous allez voir une grosse partie de la vidéo, donc là, c'est encore une fois, vraiment, la majeure partie de la vidéo, c'est son témoignage et entrecoupé d'images qu'elle a pu filmer et pareil, les remarques de ses collègues. Et vous allez voir toute la détresse à la fois animale et humaine qu'on a dans cette vidéo. Ce qui m'a vraiment révoltée, où je me suis dit je ne peux plus accepter ça, c'était qu'un jour, un chercheur m'a demandé de prélever du sang sur un certain nombre de souris, plusieurs dizaines, autant de sang qu'il était possible sur chaque animal sans anesthésie, en les prélevant au niveau de l'œil. Ça, c'est pas acceptable. On peut pas prélever du sang sur un être vivant jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de sang, en gros, comme si c'était un flacon, et qu'il meure de ce qu'on lui fait subir, en plus sans anesthésie. Mon responsable de laboratoire avait autorisé cette demande-là. Visuellement, ça a l'air d'aller, elle ne perd pas spécialement de poids. Maintenant, je pense que oui, pas forcément. Ouais. C'est un peu comme quand on se balade avec un sac à dos. Oui. Les chercheurs vont utiliser beaucoup de souris. Ils ne vont pas prendre en compte correctement la souffrance, la douleur des animaux. C'est obligatoire d'indiquer des points limites. La souffrance, la douleur, elle va être acceptée à un certain seuil. Il ne faut pas que ce seuil soit dépassé. Les points limites imaginés des chercheurs étaient à des stades où, à la limite, ça ne sert à rien de se dire qu'on se soucie de la douleur des animaux. Puisque, en gros, il y en a certains, c'est si elle meurt, c'est qu'elle souffrait trop. Et il ne faut pas aller jusqu'à attendre qu'elle meure. Donc comment on les euthanasie ou comment on fait les mises à mort, donc c'est en fonction du modèle animal. Les souris, on appelle ça faire des dislocations cervicales. Donc avec ses propres mains, on va tenir la souris et on va rompre la colonne cervicale pour qu'il n'y ait plus de connexion cerveau-reste du corps. Ça, j'en ai fait des centaines de fois. Après, les souris peuvent être euthanasiées par CO2, par le gaz. Dans un premier temps, tu mets le CO2 à lui pour l'endormissement. Et après, tu mets le max. Ah, d'accord, il y a deux phases. Après, voilà, la personne n'est plus capable de vie. Ça reste caché,
c'est quand même tabou, le civil n'est pas au courant de tout. Pourquoi ils ont un problème à parler de ce qu'ils font si théoriquement il n'y a rien à cacher? Pourquoi on continue à ne pas montrer les animaleries, à ne pas montrer clairement ce qui se passe? C'est que ça prouve qu'il y a un problème. N'importe qui a le droit d'étudier un projet de recherche et de voir ce qui se passe. Mais pour en trouver un, bonne chance. On doit subir la souffrance des animaux, on voit leur mal-être, on est en direct avec leurs blessures, on est enfermé avec eux toute la journée dans leur environnement, sans lumière, sans fenêtre, seul. Donc forcément, on se remet en question. Au bout d'un moment, on devient fou, on devient malheureux. Excusez-moi. Ça nous détruit. Il n'y a plus de goût de la vie, il y a une morosité qui est installée. Après, moi, c'est vrai que je suis un peu... J'ai un peu de mal à faire des choses comme ça. Hein ? Mais la première fois que j'ai sacrifié une souris de mes mains, j'ai eu du mal. Hein. Je suis rentrée à la maison... Pas bien. Oui. Depuis 2012, tous les projets doivent passer auprès du comité d'éthique. Être évalué, c'est obligatoire. Et ensuite, c'est évalué au niveau d'instance du ministère de la recherche. On peut être contre, mettre un veto sur un projet de recherche. Donc ensuite, ça va être aller plus haut. Si le ministère accepte, accorde ce projet, ben nous, tant pis pour nous si on n'était pas d'accord. Au début, on se dit c'est important, on a un rôle important à jouer au sein du comité d'éthique. C'est important qu'on décortique tout, qu'on regarde chaque détail pour dire ce qu'on pense. Et quand on voit au final que ça change pas grand-chose, finalement c'est pas nous qui avons le dernier mot, ça décourage. En fait, autant se dire on regarde pas le projet, on valide. J'ai déjà demandé bah, pourquoi vous étudiez vous faites des recherches sur les souris. Ah ben parce que quand j'ai fait des études, on a étudié sur des souris, et puis quand on échange avec des confrères, ou quand on échange entre nous, même à travers les pays, comme tout le monde a déjà travaillé avec des souris, ben on continue à travailler avec des souris. Donc en gros, on ne se pose pas de questions. Donc quand on ne connaît pas, on se dit c'est bien, c'est important, on a des cancers, il faut s'en occuper, on ne peut pas laisser les gens mourir et pas pouvoir les soigner du cancer du sein. Mais ensuite, quand on voit ce qui se passe et quand on rentre dans les détails, on voit que c'est pas aussi simple. Je parlais à mes souris, je leur disais, bon, ben là, vous êtes malade ou je vais vous tuer, mais en gros, c'est utile. Vous vous sacrifiez pas pour rien. Puis au final, quand on avance et puis quand on fait partie du comité d'éthique, qu'on voit les projets en détail, qu'on voit les comportements... pas acceptable de la part des chercheurs sur le moyen d'utiliser les animaux, de la manière d'utiliser les animaux, ou sur même la qualité de leurs projets de recherche qui sont présentés au comité d'éthique. Là, en gros, on redescend sur Terre, on se dit « Ah, d'accord, donc les souris, c'est comme des objets ». On a l'impression qu'on se bat contre des moulins à vent, on n'a pas de pouvoir. Les zootechniciens, ils sont en bas, ils sont en bas de l'échelle, de la pyramide. Et bien qu'au niveau de la loi, on a un droit de veto, dans la réalité, c'est moins évident. Parce qu'après, il va y avoir la pression entre les collègues, le responsable de laboratoire, la hiérarchie. Donc dès qu'on commence à dire ce que l'on pense et à montrer une résistance ou un désaccord,
Et ben ensuite, là, on n'est pas suivi, on n'est pas soutenu. Ça embête tout le monde. Oui, dénoncer la souffrance des animaux de laboratoire, ça embête tout le monde. Voilà, mais c'est pas pour autant qu'on va s'arrêter de le faire, bien au contraire. Et donc c'est important de mettre le doigt en fait sur toutes les problématiques, et notamment les comités d'éthique dont on va aborder maintenant le sujet, de comprendre en fait de la part de personnes qui sont à l'intérieur de ces laboratoires où est le problème et pourquoi aujourd'hui les comités d'éthique posent un vrai problème de conflit d'intérêts, pour comprendre où est-ce qu'on peut agir et ce qui ne va pas dans l'intérêt. Mais en gros, ce qu'elle disait et ce qu'elle nous a ensuite redit, c'est que plusieurs fois, elle fait partie du comité d'éthique et plusieurs fois, elle a voulu s'opposer à des projets, donc en étant sur péto. Mais en fait, ce qu'elle nous disait, c'est qu'elle a été harcelée par ses collègues, par les responsables du laboratoire, et elle disait qu'en fait, c'est un faux droit de péto. C'est-à-dire qu'en disant non, après, elle se faisait harceler, oui, tu suis pas, tu... Excusez-moi, est-ce que vous faites des types de médicaments de cancer? Parce qu'on pourrait zapper ça. Alors là, en l'occurrence, c'était des recherches sur le cancer. Les souris sont beaucoup utilisées sur le par rapport au cancer. Et les méthodes alternatives, ça n'existe toujours pas. C'est si, c'est ça. Il faudrait parler. Mais oui, ça, oui. On attend, parce que là, on va partir sur des mauvaises images. Alors, en faute de temps, on va passer rapidement. Bon, ben, ceux qui veulent éventuellement photographier le slide, c'était un petit résumé de ce qu'on avait vu dans la vidéo. Ensuite, bon, là aussi, je vais pas commenter du tout les tableaux. Je voulais juste dire que par rapport à tout ce qu'on avait vu, il y avait aussi la réutilisation des animaux. C'est-à-dire que il y a des animaux qui sont en plus réutilisés dans plusieurs procédures et c'est autorisé par la directive. Donc c'est un point aussi important qu'il faudrait revoir dans la directive, parce que réutiliser des animaux, c'est éventuellement pour ces animaux des souffrances démultipliées. Alors là, on va donc passer, parce que bon, c'est un point à la réutilisation, mais sans ça, on n'aura pas le temps de parler des propositions, ce qui serait quand même dommage. Là, je vais donc repasser à Mélodie, qui va juste faire la petite conclusion avant donc les propositions. Donc, quel constat finalement, on constate que la directive est appliquée à minima par les États membres, mais également qu'elle contient un certain nombre de carences, puisqu'elle laisse la possibilité, enfin, elle laisse une grande marge d'appréciation aux États membres, ce qui donne une possibilité en pratique, finalement, comme on a pu voir dans la vidéo, de contourner ces dispositions. Et quel constat? Il faut que ça change dans le sens où l'objectif de remplacement total des animaux dans les procédures, on ne va pas arriver à l'atteindre si on met en pratique un certain nombre de nouvelles propositions, ce qui me fait une très belle transition. Donc en fait, la directive européenne mériterait de se viser, et sur quel point? Sur un certain nombre, enfin, sur beaucoup de points, mais on va aller vite, on va résumer. Finalement, il faudrait élargir le champ d'application de la directive, parce que je vous l'ai dit, il y a un certain nombre d'animaux qui ne sont pas pris en compte, et donc qui ne sont pas protégés. Un exemple illustrant, ce sont tous les animaux qui sont utilisés pour leurs tissus et leurs organes, qui ne rentrent pas du tout dans le champ d'application, qui ne sont pas protégés. Il faudrait mettre en place un certain nombre d'objectifs chiffrés, avec des échéanciers, parce que comment évaluer les États membres, finalement, comment on peut considérer qu'ils appliquent bien la directive si on n'a aucun objectif chiffré, aucun calendrier. Donc c'est au nom de la valeur intrinsèque des animaux, mais aussi pour être en mesure de mieux les contrôler. Il faudrait également supprimer un certain nombre d'incertitudes, un certain nombre de phrases un petit peu, d'expressions un peu élusives, qu'on en trouve dans de nombreuses dispositions, par exemple dans la mesure du possible, ou sauf si cela n'est pas nécessaire, des choses comme ça, être un peu plus contraignant pour finalement montrer un changement de cap et une vraie volonté de progresser dans le sens de la protection des animaux. On peut changer de slide. Voilà. Il faudrait prendre en compte que le niveau de souffrance et de stress des animaux soit pris en compte de manière beaucoup plus objective, avec l'apport des connaissances scientifiques. Qu'est-ce qu'on entend par là? En fait, il faudrait dans la directive, on fait appel au niveau estimé de souffrance ou de douleur des espèces. Êtes-vous capable de dire quel est le niveau estimé finalement de souffrance, de douleur ou d'angoisse d'une grenouille ou d'un chien? Ça manque d'objectivité, c'est très subjectif, et on se retrouve finalement avec des vidéos telles qu'on a vu celles tout à l'heure. Donc à mettre en place de l'objectivité, ça nécessiterait de pouvoir
se baser sur des études fines sur la douleur animale, sur la connaissance scientifique finalement des espèces. On peut penser typiquement au rapport de l'INRA qui a été publié en 2016 sur la conscience animale. Donc il faut vraiment, c'est en cela qu'on dit qu'il serait nécessaire d'apporter de l'objectivité dans l'évaluation des projets et ensuite la connaissance scientifique parce que, on verra tout à l'heure, mais dans les comités d'éthique, il serait nécessaire que les scientifiques mettent à jour à chaque fois leurs différentes connaissances. Ensuite, sur la provenance des animaux, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est un point important parce que finalement, on nous dit que les fournisseurs, les éleveurs et les utilisateurs doivent être agréés, mais il n'y a aucune disposition qui empêche finalement de se fournir auprès de son conjoint. Donc je pense que c'est très important et c'est illustrant dans les statistiques, on voit qu'il y a un certain nombre d'animaux dont ils viennent de centres non agréés. Et enfin, dernier point sur les inspections et leurs sanctions. La Commission européenne devrait s'assurer que les sanctions dans les établissements sont suffisamment. Les inspections dans les établissements sont suffisamment nombreuses et que le niveau de sanctions est proportionné et dissuasif. Pourquoi on dit ça? Parce que finalement, dans la directive, il est simplement imposé des inspections régulières. On n'a aucune précision sur ce que peut être une inspection régulière. Est-ce que c'est tous les ans, tous les mois, tous les 10 ans? Il est également imposé une proportion adaptée d'inspection qui doit être réalisée de manière inopinée. Si vous savez me dire ce qui est une proportion adaptée, j'en serais ravie, mais une fois de plus, on n'a aucune information sur le nombre d'inspections inopinées qui sont réalisées. Ça ne ressort pas des chiffres. Donc du coup, je pense qu'il y a un vrai travail de contrôle à mettre en place. Et aussi, sur les niveaux de sanctions, une fois encore, la directive impose simplement des sanctions qui soient efficaces, dissuasives et proportionnées, mais laisse la liberté aux États de fixer ce que doivent être ces sanctions. Et quand on regarde le cas de la France, tous les manquements peuvent être sanctionnés uniquement par deux types de contraventions. Troisième classe et quatrième classe, soit une amende de 450 € ou 750 €. Donc on est quand même loin du compte. Donc ça fait partie des mesures sur lesquelles il faut vraiment travailler. Ensuite, s'agissant de l'évaluation des projets, alors bien rapidement, encore une fois, c'est ce que vous disiez, Johanna, et c'est ce qui ressort clairement de cette dernière vidéo. Il faudrait que l'autorité qui soit en charge de l'évaluation des projets apporte des garanties d'impartialité et d'expertise. Parce qu'aujourd'hui, la directive, finalement, dans son article 38, ne définit pas du tout les compétences attendues, et notamment les compétences en matière de personnes chargées de bien-être animal. Donc il faudrait que ces comités d'éthique soient vraiment composés de personnes qui soient expertes en matière de méthode de remplacement, mais en matière de questions d'éthique, peut-être qu'on aurait moins, en tout cas on le souhaite, de vidéos telles que celles qu'on a vues. Et aussi, je voudrais parler un petit instant de l'appréciation rétrospective. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est ce qui vise à évaluer les objectifs du projet. Si les objectifs de votre projet ont été réalisés, surtout si les conditions de votre autorisation ont été respectées. Actuellement, dans la directive, cette appréciation et rétrospective est obligatoire dans deux cas. Uniquement lorsqu'on utilise des PNH, donc les primates non humains, et lorsqu'on a fait appel à une procédure qui implique une classe sévère. Ça veut dire que tous les autres projets, il n'y a pas du tout d'appréciation rétrospective. Autrement dit, ça veut dire qu'on ne vérifie pas si les conditions d'autorisation, de l'autorisation qui vous a été octroyée, ont été respectées. Donc, comme on l'a dit, tous les animaux ont une valeur intrinsèque, donc on ne comprend pas pourquoi seuls certains projets devraient en bénéficier. Vas-y, bon, moi je vais aborder le point 4, c'est-à-dire pour le développement des méthodes de substitution et leur mise en œuvre. Alors c'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses qui dépendent quand même de cette directive européenne qui là-dessus non plus ne s'est pas beaucoup engagée. Alors d'une part, il serait nécessaire que, puisque cette directive devrait être réexaminée en novembre 2019, donc c'est très important qu'on en parle, il y aurait l'obligation d'utiliser les méthodes alternatives non animales dès lors qu'elles existent et qu'elles ont été validées ou qu'elles ont prouvé leur efficacité. Cette obligation, elle doit être clairement posée, alors que jusqu'à présent, c'est juste une indication, une recommandation, ce n'est pas une obligation. Ensuite, le principe des 3 R. Alors certains d'entre vous connaissent peut-être le principe des 3 R. C'est un principe qui a été élaboré en 1959, donc ce n'est pas hier quand même, par deux biologistes britanniques qui trouvaient que les animaux souffraient beaucoup trop, qu'il fallait envisager d'autres méthodes. Mais ce principe qui avait sans doute un intérêt en 1959 doit être abandonné. J'explique pourquoi. Donc les 3 R, c'est le remplacement, c'est-à-dire remplacer l'expérimentation animale par d'autres méthodes, la réduction, donc réduire le nombre d'animaux, et la traduction en anglaise, française, qui je trouve n'est pas très réussie, mais raffinement,
C'est-à-dire en fait tout ce qui permet soit de réduire la souffrance des animaux, soit éventuellement d'améliorer leur univers carcéral. Hein. Alors, à ce jour, l'application du 3R, c'est considéré comme des méthodes alternatives. C'est-à-dire, même si vous appliquez une méthode de raffinement, c'est-à-dire que vous dites, oh ben moi, je mets des petits trous à mes hamsters, etc., vous pouvez dire que vous êtes dans les méthodes alternatives, donc raffinement. Donc, ce qui est complètement, là aussi, non pertinent. Donc, il faut supprimer les 3R et bien séparer méthode de remplacement, celles qui n'utilisent pas d'animaux, méthode de réduction et méthode de raffinement, mais qu'elles soient bien clivées, que ces trois approches soient bien clivées. Ensuite, il convient que les parties importantes de la directive soient consacrées au développement et à la mise en œuvre des méthodes de remplacement, de réduction et de raffinement, en privilégiant les premières, bien évidemment. Parce qu'il faut savoir qu'actuellement, dans la directive actuelle, il y a un seul et unique article sur les 64 qui aborde la question des méthodes alternatives. Ensuite, pour terminer, les moyens humains et financiers qui sont alloués au laboratoire de référence de l'Union européenne. Alors ce laboratoire, il est censé contribuer à la validation des nouvelles méthodes alternatives, il devrait aussi diffuser de l'information sur les méthodes alternatives, mettre en place des bases de données, être en relation, instaurer des échanges avec les différents acteurs. Ce laboratoire n'a absolument pas, enfin qui s'appelle ECVAM, hein, c'est en fait le Centre européen de validation des méthodes alternatives, n'a absolument pas les moyens d'accomplir ses missions. Il arrive tout juste à procéder à un certain nombre de validations de tests réglementaires après une durée qui va de 6 à 10 ans et pour un coût qui s'élève à peu près pour l'inventeur, on va dire, à 200 000 euros. Autant dire que c'est assez peu encourageant pour un chercheur qui veut travailler sur les alternatives. Voilà. Donc je vais repasser le micro à Cathy. Dernière slide de conclusion. Donc en fait, finalement, en résumé, on s'aperçoit que les États membres sont libres de la mise en œuvre pour un certain nombre de dispositions de la mise en œuvre de la directive et que donc en l'absence de mesures contraignantes, dans un certain nombre de cas, ils traînent des pieds. Et on s'aperçoit également, quand on fouille un petit peu, que la Commission européenne est elle-même peu prompte à entamer des procédures d'infraction, comme on l'a dit tout à l'heure, alors même que il existe des infractions, notamment en France. On avait un exemple qu'a connu Muriel qui montre que la commission finalement elle-même fait pas toujours preuve de bonne volonté, mais je ne sais pas, on n'aura pas le temps de traiter, donc peut-être un peu plus tard. Mais sinon, on se posait la question de savoir si l'instrument de la directive est un bon instrument juridique pour être un peu plus contraignante et on peut recourir au règlement européen qui lui n'est pas contraignant uniquement dans ses objectifs mais dans toutes ses dispositions. Et pour les mesures qui peuvent faire l'objet d'une harmonisation totale en France, typiquement la suppression de l'utilisation des PNH en enseignement, comme on a pu le voir en Grande-Bretagne, c'était parfaitement possible, et bien on pourrait parfaitement soutenir que le recours à un règlement européen pourrait nous permettre d'atteindre des avancées beaucoup plus poussées. Et pareil, oui, on prend l'exemple des cosmétiques, ce qui s'est passé pour les cosmétiques, on pourrait espérer que ça se passe également en matière d'expérimentation animale ou en tout cas dans l'enseignement. Dernière information importante, en novembre 2017, la Commission européenne présentera aux parlementaires européens et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la directive, donc rapport qui est très attendu. Et donc il conviendrait dès maintenant que les parlementaires et les ONG se mobilisent pour vérifier que les éléments qui seront retranscrits dans le rapport reflète bien la réalité et puis qu'ils soient en mesure, finalement de proposer des amendements et de les justifier dans le cadre de la révision espérée de la directive. Et dans ce cadre-là, les citoyens auront également un rôle à jouer en se rapprochant notamment des eurodéputés et en transmettant le niveau d'information qu'on a essayé de vous partager avec vous.